tous réunis ici pour ça, en fait. C'est le seul truc qu'on veut voir aujourd'hui. Là, ils ont mis plein d'activités autour, mais s'il y avait même juste ouais, le multiplat... Ouais, ça, je pense qu'on serait tous venus quand même. On serait tous venus quand même. Ça fait du bruit, on l'entend surtout. Ah, franchement... C'est incroyable. On a fait 600 km pour le voir. C'est marrant. C'est très marrant. Ouais, c'est original. Ça fait quelque chose. C'est clair. On l'a vu de très près. Et on l'a vu de très près aussi, parce qu'on est aussi monté dedans. Et non, franchement, c'est assez impressionnant quand même de, on va dire, partir dans un délire et de l'avoir fait jusqu'au bout. Parce qu'une Fiat Multipla n'est pas du tout censée avoir 1300 chevaux et pouvoir aller sur un circuit. Et donc, le fait de le voir, de l'entendre et d'être en côté passager dedans, ça fait quand même quelque chose. Parce que c'est la voiture la plus moche du monde initialement, donc il fallait qu'on fasse quelque chose pour ça. Mais ça n'empêche pas de bien faire les choses, donc elle fume tout le monde, parce qu'elle fait 1300 chevaux. Alors, le projet c'était ça, mais peut-être pas à ce niveau-là de finition. C'est-à-dire qu'on n'était peut-être pas au point de se dire qu'elle va faire plus de 1300 chevaux fiables, aussi bien finie, aussi jolie, entre guillemets, c'est vraiment avec une tronche de voiture de course. On a passé de l'année de travail. Hein. Oui. On a passé ça, on a passé plusieurs centaines de milliers d'euros quand même de préparation. Hein. C'est toujours pareil, c'est une grosse blague, c'est une grosse boîte à chaussures qui roule vite. Ça reste quand même sérieux et digne de voiture de course. C'est pour ça que même ce projet, je trouve qu'il allie vraiment notre passion et le côté simple, dans le sens où, effectivement, la base, bon, bah, c'est un multiplat tout simple, machin, c'est marrant, lol, on va faire un multiplat tuning. Mais le sérieux de la passion qui vient s'allier à ça et qui fait qu'en fait, même cette blague, elle vient faire un truc quand même un peu costaud à la fin qui dit « Ok, on rigole pas tant que ça ». Ah, l'ambiance, elle est incroyable. Ouais. Franchement, c'est la meilleure ambiance que j'ai pu voir. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt bien. Dans la mer et dans le tuning, dans le show, mer et tuning show, on est bon. Parce qu'on est comme ça. Je pense vraiment que c'est notre essence même, en fait, et qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont encore comme ça et du swallow, et qui se reconnaissent un peu dans tout ça, et qui disent, en fait, c'est chouette, parce que c'est des gens juste normaux qui font des trucs comme moi, je fais chez moi, parce qu'on est exactement ça, on est juste des gens normaux qui font des trucs comme tout le monde chez nous. Et qu'on est hyper content de pouvoir le partager avec tout le monde. Et ce thème-là, il est parfait. Ce thème-là, il est bon enfant. Ce thème-là, il est familial. Ce thème-là, il est universel, presque, entre guillemets. On aime tous les barbecues. Les gens ont compris hein, que c'était second degré. Aujourd'hui, on propose une journée où on se prendra pas au sérieux. Exactement. Et c'est pas souvent. Et le barbecue réunit, regarde, que ce soit des aubergines grillées ou des merguez, il y a de la place pour tout le monde sur ce barbecue merveilleux. De la palourde grillée. Oui, pourquoi pas. Là, ça, c'est le multiplat.